programme vous est offert par Monogram, le lien qui vous rapproche. Suivez votre TV show préféré avec Hertz, transporteur officiel du jury Dis-moi qui est la plus belle. Offrez-vous un plaisir fruité en suivant Dis-moi qui est la plus belle avec Fruities, premier bar à jus d'Afrique de l'Ouest. Offrez-vous un moment de détente avec Gozem, première application de transport d'Afrique de l'Ouest. Savourez Dis-moi qui est la plus belle avec Top Food, numéro 1 de la livraison de repas au Bénin. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec vos proches grâce à Benafrique, numéro 1 de la location de bus en Afrique de l'Ouest. Bonjour, je suis le miroir. Je m'adresse à vous pour la première fois, après plus de 3 mois passés dans un coma profond. Fort heureusement, la prophétie s'est réalisée. La meurtrière a été identifiée et ce jour, à 0 h, je suis revenu à la vie. Ma résurrection, je la dois en grande partie à Nadia, Sylvania, Valérie et Malik, ce jury d'exception qui a abattu un travail incroyable pendant ces 3 mois, ne se laissant distraire ni par les fans des candidates, ni par le public impatient, fouillant, bêchant, creusant partout où pouvait se cacher la plus petite facette de la beauté africaine. Grâce à leur rigueur et à leur perspicacité, les principales suspectes ont été identifiées. Mais si j'ai retrouvé la vie ce jour, c'est surtout grâce à vous, mon incroyable public, grâce à vos marques de sympathie et d'amitié, lorsque la presse a annoncé ma mort en début de saison, grâce à votre présence permanente et vigilante durant ces 14 semaines de procès, et grâce à vos votes qui ont été déterminants cette nuit pour identifier la vraie coupable du miracide. Pour avoir suivi ces valeureuses Amazones africaines pendant ces 3 mois, vous avez sans doute enfin compris pourquoi mon cœur leur a succombé. Les 12 candidates de cette année sont toutes incroyablement belles. Belles de leur corps, belles de leur âme, belles de leur savoir-faire, belles de leur savoir-vivre. Mais tellement différentes les unes des autres. C'est pour ça que pour moi, en définitive, il n'y aura ce soir, non pas une, mais 12 reines, 12 magnifiques facettes de la beauté africaine, 12 Amazones qui méritent tous les honneurs. Et c'est aussi pour ça que je salue bien bas ce jury qui a eu la difficile mission de les départager et au thème des travaux de qui le classement provisoire était le suivant. Mais la décision finale, cher public, c'est de vous qu'elle viendra. Pendant ces 14 semaines, vous avez par vos votes exprimé vos préférences parmi ces 12 candidates. Ces votes, soigneusement comptabilisés par l'équipe de Lucie et Maître Gounadan, compteront pour une 13e épreuve qui sera donc notée sur 80, comme toutes les autres. Chaque candidate finaliste aura d'office la moyenne 40 sur 80 pour cette dernière épreuve. Les 40 points restants seront entièrement concédés à la candidate qui aura raflé le plus de voix auprès du public. Les autres candidates se verront attribuer, en plus des 40 premiers points, une note au prorata des votes qu'elles auront réunis
et en considérant comme base le nombre de votes réunis par la gagnante d'une épreuve. Dans quelques instants, les résultats de cette gymnastique mathématique vous seront livrés et détermineront le trio gagnant de cette compétition qui ne ressemble à aucune autre. Comme c'est désormais de tradition, la découverte des notes du public et le sacre des gagnantes du concours se fera au cours d'une cérémonie qui se tiendra dans la salle de projection de Canal Olympia Wologede. Mais en attendant ce moment fatidique, nos reines peuvent bien décompresser un peu. Petit cours de pâtisserie avec le chef Maël pour commencer. Mon nom c'est Maël Akapo, je suis chef pâtissière spécialisée dans ce que j'appelle la pâtisserie bien-être. La pâtisserie bien-être tout simplement parce que je confectionne ces gâteaux sans farine de blé en utilisant toutes sortes de farines sans gluten, également sans sucre raffiné. Ma contribution était de faire un masterclass avec les candidates et étant donné que je fais une certaine particularité dans ma pâtisserie, il fallait que je puisse apporter cette touche-là aux candidates et les montrer et qu'elles puissent, pourquoi pas, faire l'essai chez eux à la maison, proposer à la famille, surtout s'il y a des personnes parmi eux qui ne consomment pas de la farine de blé ou qui ne consomment pas du sucre blanc, ils ont la possibilité de leur montrer des recettes faciles et très, très savoureuses. Voilà. Nous allons réaliser deux recettes, une entrée et un dessert. En entrée, je leur propose du poulet mayo sous son essablé. Là, c'est vraiment une création de chef Maël. Et en dessert, ce sera des éclairs. Des éclairs aux fruits, cerises et poires. Belle quelques secrets pour fabriquer d'inoubliables cocktails maison. Salami Fatimat, c'est mon nom. Donc je suis la promotrice et la créatrice de Fruities Bénin. Les Fruities Niger, Abidjan, Nigeria 1 et 2, Burkina et bientôt Mali. Donc Fruities, c'est le premier bar à jus de fruits et légumes au Bénin. Donc c'est un bar à jus, comme le nom l'indique. Et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est jus naturel, pas encore bio parce que malheureusement on ne trouve pas encore de terre complètement bio au Bénin, mais nous sommes naturels et 100% naturels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sucre, il n'y a aucun additif. Bon, nous on n'a pas fait grand-chose, l'émission en elle-même est déjà très touffue, très élaborée. Nous avons commencé par une dégustation le premier jour pour accueillir les candidates. Pardon. Ensuite, nous avons également fait la masterclass avec les filles. Donc, on leur a appris un petit peu comment faire des cocktails. Bon, on a vraiment été dans le basique. Donc, 3-4 différentes sortes de cocktails. Voilà nos belles d'assez belle humeur pour aller se préparer pour le gala. D'abord, un petit tour chez Passion Beauté pour des soins esthétiques bien mérités. Naturel,
la peau, son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux, africaine. Ensuite, une longue escale chez les coachs coiffeuses, ces transformatrices qui leur ont fait toutes les coiffures depuis le début de la saison. Découverte des robes de la soirée, toutes confectionnées et offertes encore cette année par Danielle Mokhtar, dressmaker, mais véritable magicienne qui, chaque saison, arrive à sublimer nos belles pour leur dernière soirée. Bonjour, je suis Pamela, promotrice de Danielle Mokhtar Dressmaker. Danielle Mokhtar Dressmaker est un atelier de haute couture. Nous sommes spécialisés dans la confection express et sur mesure de vêtements haute couture. Danielle Mokhtar Dressmaker existe maintenant depuis 2 ans et Dis-moi quelle est la plus belle représente pour nous une vitrine pour exhiber tout notre savoir-faire. Pour la saison 3 de Dis-moi quelle est la plus belle, nous avons expérimenté pour vous le pain tissé fait au Bénin par des artisans béninois. Donc toutes les tenues des candidates pour la finale, les 13 candidates, ont été confectionnées avec du pain tissé produit au Bénin. Et pour que le tableau soit complet, à qui fait-on appel? À Noir, Siesca, Ben, Beauty Beauty et Ola Pro ont encore une fois fait le make-up de ces dames. Pour le départ. Mais avant de nous retrouver dans la prestigieuse salle de la cérémonie, faisons une courte pause publicitaire, si vous le voulez bien. Pourquoi Pigier est considéré depuis plus de 169 ans comme le cadre parfait pour la formation des élites? Première école certifiée qualité ISO 9001-2015 en Afrique subsaharienne. Première école centre agréé des AMEM Microsoft Office au Bénin. Première école centre agréé d'examen TOEFL et TOEIC au Bénin. Première école centre d'examen DELF et DALF au Bénin. Première école privée agréée UEMOA pour la formation à l'expertise comptable au Bénin. Pour vous assurer un avenir professionnel prometteur, rejoignez Pigier, le cadre parfait pour les élites. Chaque matin peut être un défi. Mais à tout moment, un être cher vous apporte joie et confiance en l'avenir. Et vous vous sentez plus fort. Demain sera un jour meilleur. C'est aussi ça. Désormais, vos frais d'envoi sont à partir de 200 francs CFA hors taxes depuis le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. MoneyGram, le lien qui vous rapproche. Ici, c'est Saveur du Bénin, le restaurant 100% Made in Africa. Où Valérie vous concocte ces bons petits plats qui font toute la saveur de l'Afrique. Et où les belles vous attendent pour un déjeuner ou un dîner comme chez vous, à votre convenance. Saveur du Bénin, le meilleur de la cuisine Made in Africa. La soirée du Sacre des Reines QLPB est toujours un événement de haut standing où se retrouvent les fans, les partenaires et de nombreux curieux. Pour la réussir, l'équipe technique a été spécialement renforcée par EJ Records, un studio d'engineering sonore de premier plan au Bénin. Une fois encore, Magnificat Events s'est dévolu pour créer un décor de rêve pour nos reines.
Virus, un comédien hors pair, bien connu pour son sens du mot et son art du rire, a accepté de faire la maîtrise de cérémonie. Est-ce que vous savez que vous avez voté la récente? Merci. Comme quelqu'un de voiture a payé, il me dit merci, parce que la voiture était très jolie. Oui. Le cri de guerre des jumelles, c'est... Est-ce que c'est ça? Les jumelles, c'est ça? Ça, c'est Chakala version africaine. Et pour agrémenter la soirée, de nombreux artistes ont eux aussi fait le déplacement. Let's get deep in the other side now. Let us keep praising. Let's go slow. Let's go slow again tonight. Let's go slow. Let's go slow again tonight. Let's go slow. Let's go slow again tonight. Let's go slow. Let's go slow. Let's go slow. Let's go slow again tonight. Let's go slow. Let's go slow again tonight. Let's go slow. Let's go slow again tonight. Let's go slow. Let's go slow. Soirée donc. Et maintenant que tout est prêt, nos belles peuvent faire leur entrée et recevoir chacune une belle tige de rose en reconnaissance de sa beauté. Bonjour, alors Alexandre Bédo, CEO de Rose Impériale Afrique. Rose Impériale qui est une structure qui fait de la production de fleurs naturelles, de roses et de la décoration florale. Alors nous avons observé l'émission « Dis-moi qui est la plus belle ». Une émission qui magnifie la beauté africaine. Et vous savez que la rose est la reine des fleurs. La rose symbolise la beauté. C'est pour cela que nous avons décidé d'accompagner l'émission cette saison, plus spécifiquement de « Dis-moi qui est la plus belle ». Alors, Rose Impériale apporte sur cette émission son petit grain d'encouragement, de motivation à toutes ces candidates en leur offrant des roses pour rehausser leurs émotions, pour leur donner plus d'engouement à aller de l'avant dans toutes les épreuves qu'elles sont en train de traverser et qu'elles traverseront jusqu'à la fin de la saison. Une peau noire ébène, un sourire irrésistible et une silhouette à damner un sein. D'aussi
avait de très bons arguments pour remporter la compétition et elle en a profité. Reine éphémère, mais reine des premières heures, elle a tenu la dragée haute aux autres candidates pendant 2 bonnes semaines. Mais quand on demande à Dossi de sauver un dépanneur électrocuté chez elle, patatras, la belle lui brise la jambe et du même coup brise son ascension dans la compétition. Le plus souvent, quand quelqu'un est électrocuté chez nous en Afrique, on dit « prends un bois sec qui n'a pas de clous et tu essaies de frapper la personne avec. » Comment avez-vous le bois? Je n'ai pas hésité à le taper sur la cuisse. Donc, j'ai donné un coup tellement fort qu'ils ont dit « j'ai démembré le monsieur », que si le monsieur se levait là, c'est sûr qu'il aura des plâtres. Après ce couac, Dossi enchaînera de belles performances et fera tout pour remonter sur le podium. Mais la compétition cette année est de très haut niveau et la belle porto-novienne devra se contenter d'oxyer entre la 4e et la 6e place jusqu'au dernier jour. Séduit par sa plastique et son charme indiscutable, le public nous ramènera-t-il Dossi sur le podium? On le saura dans quelques minutes. Dans tous les cas, Dossi aura été une des plus belles révélations de cette saison. Beaucoup se sont demandé comment Fidèle a pu arriver à ce niveau de la compétition, tant elle n'a pas la plastique des grands mannequins ni le savoir parler policé de la haute société. Mais quand elle saisit le micro et pousse la chansonnette, Fidèle met tout le monde d'accord. Le public a des frissons et découvre la grande beauté de la diva cachée. Fidèle se retrouve au pied du podium et y reste après une rencontre houleuse avec un beau-frère un peu trop collant. Avec tout le respect que j'ai pour toi, la porte. C'est le jour de la zone. Tu montes sur tes grands chevaux. Non, mon cher beau-frère. Dehors. Moi dehors. Paris. Dehors. Finalement, nul n'oubliera le beau sourire, les grimaces et le franc-parler de la belle aboumienne de la saison 3. Cela suffira-t-il pour que le public lui donne une place sur le podium? Wait and see. Bonsoir mesdames et messieurs. Vous allez bien, j'espère. Ok, j'espère que vous avez vraiment apprécié mon aventure dans « Dis-moi qui est la plus belle ». Pour cela, je voulais juste dire... Non, mon poule, non, bien. Je suis là.
j'aimerais vraiment remercier aussi mes coachs qui me sont vraiment fidèles. Remercier mes coachs parce que sans eux, je ne serais vraiment pas ici. Et sans vous, ma famille, surtout mes amis, je ne serais pas ici. Alors, ovationnez-vous même. L'aventure QLPB a été la meilleure pour moi parce que je me disais, je n'étais vraiment pas à la hauteur. Mais vraiment, je me sens vraiment que je suis vraiment en hauteur d'être ici parmi vous. Merci de me soutenir. Merci, merci, merci. Merci à vous. Poussina, qui es-tu? Nul n'a vu venir la belle Congolaise de Pointe-Noire. C'était l'une des plus jeunes de la compétition, mais aussi une des plus belles, puisqu'elle finit à la troisième place du podium, après la délibération du jury. Mais tout n'a pas toujours été rose pour cette jeune fille passionnée de médecine. Malgré de belles performances en début de compétition, elle peine à trouver une place sur le podium et manque de crier à la conspiration. Malgré tout, Boussina se bat comme une lionne dans la cour des grands et affronte vaillamment les 12 autres beautés de la compétition. Bien lui en prie, son savoir-faire éclate sur la catastrophique épreuve de repassage. Par la suite, on l'a vite compris, Boussina est une femme africaine complète et bien éduquée, mais aussi une femme battante et déterminée. Le public confirmera-t-il ce soir ce choix porté sur Boussina par le jury? Salut à tous. C'est avec une immense joie que je me présente devant vous. Mais tout d'abord, je ne saurais vous remercier sans remercier l'agence Danta de m'avoir donné l'opportunité de vivre une très belle expérience, une aventure aussi merveilleuse que riche en émotions, riche en découvertes. Mais bien sûr, mon aventure a été si merveilleuse grâce à vous, à mes parents, à ma famille, à vous, ma nouvelle famille, à tout le monde qui n'avait cessé de me soutenir tout le temps. Merci, je vous en remercie. Ans seulement, mais tellement de maturité déjà, dans ses propos et dans ses actes. Tasnim est venue sur Dis-moi qui est la plus belle, avec une rageuse envie de gagner et de porter un message sociétal. Aux femmes, je voudrais dire, vous pouvez être très belle, voire magnifique, en vous couvrant. Bien entendu, ça accroche tout de suite avec Valérie. Un avantage que la belle aurait voulu creuser davantage. Malheureusement, dès la première épreuve, Tasnim se retrouve confrontée à sa pire phobie, les étendues d'eau. Pétrifiée, tétanisée, elle est soutenue par les autres candidates, mais peinera par la suite à sortir la tête de l'eau. Quelques choix malencontreux, un peu trop de stress et parfois un coup de malchance. I was nothing before, still a way till I came. Toutefois, la belle Djougoise au foulard vissé sur la tête ne se laisse pas abattre et sort progressivement de sa torpeur vers la fin de la compétition avec notamment une brillante prestation sur l'épreuve femme active. Cela ne suffira pas à la mettre dans le carré de tête de cette compétition de haut niveau, mais au moins son combat sera entendu. Si elle ne remporte pas la couronne ce soir, Tasnim aura sans conteste au moins remporté la palme de la femme de courage, de conviction et d'engagement. Applaudissements.
tout le monde. Je suis très honorée d'être en votre présence ce soir. Vraiment très honorée. Et pour commencer, je dois dire que cette expérience, c'était inévitable que je la vive. Parce que j'ai appris énormément de choses et je me suis redécouverte à nouveau. Merci. Ensuite, je voudrais remercier beaucoup de gens qui ont été d'un immense soutien émotionnel et voilà, ma famille, mes proches et mon adorable petit frère. Je voudrais également dire merci à cet incroyable staff sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Pardon, je voudrais vous demander de faire du bruit pour l'agence. Merci. Tout ce qui est petit est mignon, dit-on. Mais Stella n'est pas juste mignonne. C'est aussi une femme intellectuelle, ingénieure, agronome, en fin de formation et quand elle vient sur la compétition, elle sait qu'aucun cadeau ne lui sera fait. Mais la belle a un défi personnel à relever et n'a que faire des moqueries et colibé de bas-étage. On me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « je fais l'agronomie ». On me dit « toi tu fais l'agronomie, mais tu es trop belle pour faire l'agronomie ». Donc en quelque sorte, je suis venue représenter la cause de toutes les femmes agronomes, pour dire « nous sommes vraiment belles, en dehors de nos cages d'animaux et de nos fermes, quand on n'est pas en train de labourer la terre, on est vraiment belles, on est exceptionnelles ». Paris gagné pour Stella qui tiendra une position honorable durant toute la compétition, faisant rêver des milliers de femmes menues et intellectuelles. Elle termine 7e au classement général du jury, met la tête haute et le poing levé. Son sourire éclatant, sa force et sa détermination seront-ils récompensés par un vote significatif du public? Nous le saurons dans quelques instants. Dédicace au styliste de Renata, deuxième célébrité. Alors que nous travaillons, s'il vous plaît. Wow. La femme est vraiment belle, élégante, chouchounette. Bonsoir à tous. Je vous remercie, je remercie tout un chacun de vous pour le déplacement que vous avez effectué, que ce soit pour moi ou pour notre candidate, je vous dis merci. Et comme on dit, c'est vous qui faites tuer le bébé et c'est vous qui faites encore plus la finale. J'aimerais dire un particulier merci à M. Luc Faudon, promoteur de l'émission « Dis-moi qui est la plus belle » et aussi à tous ceux qui travaillent avec lui. Je leur dis merci pour le travail ingénieux qu'ils font. Je dis également merci aux membres du jury d'avoir accepté de nous accompagner durant toute l'aventure. L'aventure QLPB a été pour moi une expérience enrichissante, pardon. Avec les filles, on a eu de bons comme de mauvais moments. J'ai appris quelque chose de chacune d'entre vous. Que ce soit bien ou mauvais, j'ai appris quelque chose de chacune d'entre vous et je vous dis merci pour ça. Je me suis dépassée, j'ai connu des gens qui de près ou de loin m'ont soutenue et je leur dis merci. Comme je l'ai toujours dit pendant ma communication, tous unis autour de moi, vous formez ma couronne et pour moi ça signifie beaucoup. Merci, merci. Carmel, que s'est-il donc passé avec la belle gazelle? Est-ce mistourisme et favorite du jury de présélection? Malgré des atouts évidents et une expérience inégalée, Carmel est restée dans la queue de peloton durant presque toute la compétition. La cause? Un mauvais coup de destin, une succession de mésaventures et cette incompréhension dont elle est souvent la victime. Au premier jour d'incubation, Carmel doit se battre avec sa valise qui refuse de s'ouvrir. Après 2 heures de stress, le problème est résolu, mais la belle tombe malade et doit compétir sans avoir retrouvé ses forces sur l'épreuve à l'africaine. La compétition était donc bien mal partie pour elle.
Mais Carmel n'est pas du genre à jeter l'éponge. Elle ira jusqu'au bout, narguant le jury et le public avec sa haute silhouette, son élégance et ses troublants yeux bleus. Oh là là! Franchement, t'es magnifique. Cette coiffure relevée qui nous laisse voir tout ce qu'il y a autour, franchement, on respire. Tu es belle! Merci. J'ai plus de mots, je sais pas ce que je veux dire. Tu es sublime, tu es belle, bien maquillée. Super, j'achète. En vérité, Carmel se sait belle et les critiques, ça ne lui fait pas vraiment peur, pourvu que ce soit dans le respect. J'aime pas qu'on me marche sur les pieds. Je suis pas rebelle, mais en fait, je déteste qu'on me marche sur les pieds, qu'on veuille me piétiner, qu'on veuille... Quand on veut me faire un truc, il faut savoir me parler tout doux et tout ça. En gros, y a un emblème. C'est ce qu'on dit dans ma langue. Qu'elle soit dans le carré final ou pas, on retiendra de Carmel la femme de caractère belle et déterminée à qui le destin n'aura pas fait beaucoup de cadeaux. Le public, lui, en fera-t-il ce soir? La remettra-t-il en selle à travers ses votes? Wait and see. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux nous soutenir. Alors, nous voilà à la fin de cette belle aventure et j'en sors vraiment grandie. J'estime qu'il n'existe aucun être parfait. On apprend chaque jour. Alors ce soir, pour moi, personne ne ressort perdante. Nous sommes toutes gagnantes. Autant que nous sommes, nous méritons toute cette couronne. Parce qu'il n'existe pas une plus belle que l'autre, nous sommes toutes belles. Je pense que chaque année, nous revenons toujours à la même hypothèse selon laquelle il n'existe pas de prototype de beauté africaine. Belle, ronde, mince, svelte, menue, raffinée, brute, et j'en passe. Nous sommes toutes belles. Je ne regrette pas d'avoir participé à cette aventure. Si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus la même, je suis une nouvelle version de Carmel. Merci. Merci. Belle, naturelle, intelligente, femme active aux formes pleines et savoureuses, Nadia a décidément tout pour conquérir le monde. Tout, sauf l'indispensable confiance en soi. Je suis quelqu'un de très complexé. Je n'aime rien du tout chez moi. Enfin, presque rien. J'aime bien mes yeux et mon nez. Et quand on lui demande de séduire le public, Nadia nous parle de ses chats. Je suis une grande fan des chats. J'en ai beaucoup chez moi. Je ne dirais pas le nombre parce que tout le monde va penser que je suis bizarre, mais j'en ai beaucoup. Beaucoup. Et le nom de mon chat préféré, c'est Flash. Résultat, Nadia reste très moyenne durant toute la compétition, malgré des atouts évidents. Et pourtant, de l'avis de toutes les autres candidates, Nadia est sans conteste la reine de cœur de cette saison. Nadia 18, Nadia, crush. Voilà, quand on dit crush dans la maison, c'est Nadia au fait. Cette fille, elle est pétillante, elle est directe, ce que j'adore parce que quand quelqu'un lui fait une chose qu'elle n'apprécie pas, elle te le dit directement, il n'y a pas d'hypocrisie. Et c'est ça au fait, c'est notre cœur, notre coup de cœur de l'aventure Nadia. Spontanée, franche et généreuse, la mère des chats aura-t-elle aussi convaincu le public? Celui-ci lui offrira-t-il la place tant méritée sur le podium? La réponse, c'est tout à l'heure.
Nouvelle album à chat. Les bras tout proches, les jambes au chat. Applaudissez pour Nadia, s'il vous plaît. Bonsoir. J'ai réfléchi dans la voiture à tout ce que je pouvais dire et franchement, j'ai pas trouvé. Et je pense que je veux juste dire merci à tous ceux qui m'ont soutenue du début jusqu'à la fin, même en sachant que j'aime les chats, que je brûle des chemises, et vous voyez tout ce que j'ai fait. Et vous dire à quel point est-ce que je suis fière de moi, déjà, parce que aujourd'hui je me réveille et je regarde dans le miroir et je me dis « je suis pas mal !» Je suis noire et je suis quand même pas mal. Donc, à toutes celles qui sont noires, on est toutes complexées, mais franchement, je pense qu'on a la meilleure des peaux. So, je vous remercie tous et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et bon, apprenez à aimer les chats. Première participation à ce concours, c'est une participation réussie pour le Niger, car Sabira est probablement la candidate la plus constante de cette saison. Présente sur le podium du premier au dernier jour, reine éphémère sur un ou deux épisodes, la belle a farouchement disputé la couronne à quiconque voulait la prendre. D'abord Dossi, ensuite Catherine, avec qui elle fera un combat sans merci durant de longues semaines. Son teint, couleur ébène, Amazon, elle vient d'ici. Approche-toi de mes rénaux, africaine. C'est que Sabira a des atouts incontestables à faire valoir. Grande, élégante, noire et pleine de ressources. Et quand Sabira décide d'esquisser quelques pas de danse, bien malin qui peut échapper à son charme envoûtant. Deuxième sur le podium. Le public confirmera-t-il ce choix? La musique du Sahel est là. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être présent. Je sais que c'est pas facile, on avait des occupations, mais merci. Ensuite, merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenue durant ces 3 mois. Ça a été long, très long, mais là tout de suite, j'ai l'impression que ça fait une semaine. Mais un grand merci surtout pour vos reproches, vos critiques, parce que ce sont ces petits trucs-là qui me permettent aujourd'hui de grandir. De dire que je n'étais pas la Sabira un peu complexée, je vais dire, qui a commencé l'aventure il y a 3 mois. Merci spécialement au Niger. Sans vous, je ne serais pas là. Et un grand merci à cette dame. Je ne sais pas où tu es dans la salle, je n'arrive pas à te voir. Maman, merci, merci infiniment pour tout. Merci. Abibat est une femme sans complexe et sans filtre. Mais Dieu, qu'elle est belle! Un teint lumineux, un sourire irrésistible qu'elle arbore en toutes circonstances et des formes.
c'est que la belle n'a pas sa langue dans sa poche et quand elle règle son compte au beau-frère vicieux. Je ne sais pas dormir au salon. Ah, tu dois apprendre ça. Non, attends. Hey. Attends. Là, maintenant, c'est bon, ça. Ah, non, mon beau-frère, je peux tout accepter sauf ça. Je ne peux pas dormir sur mon lit conjugal, ça là, jamais. Tu vas la conjugal, t'apprends à dormir sur je ne vais pas dormir au salon. Hey, tu vas dormir au salon. Je ne vais pas dormir au salon. Mais jamais, tu vas dormir au salon. Je dis, je ne vais pas. Hey, mon mari, hey. Pas dans le lit. Moi, je vais dormir dans ce lit. C'est ton problème, mais moi, je vais dans ma chambre, je bloque. Ou qu'elle twerk dangereusement sur la piste de danse. Tout le monde est d'accord pour une troisième participation. Le Togo nous a encore gratifié d'une des plus belles candidates de la compétition et sûrement aussi une des plus vraies. Le public lui fera-t-il une fleur ce soir ? Bonsoir. Merci, merci beaucoup, merci. Merci d'être là. Ah, je ne sais même pas quoi dire. Tout fait. De ne pas parler. Mais bon, voir ce public et ne pas parler, c'est cerveau, mais bon. Quand même, merci beaucoup, vous êtes toutes belles et beaux là. Ah, merci, merci quand même. C'est le stress. Désolée. Une femme de rêve, belle à tomber, taille parfaite, teint recherchée. Hilary était une des favorites du jury de présélection. Une belle promesse destinée à finir dans le carré final de ce concours de beauté. Mais entre le podium et elle, c'est une longue histoire pleine de rebondissements. Hilary commencera son concours à deux pas du podium, à la cinquième place, descendra à la sixième, montera à la quatrième, puis redescendra à la cinquième, pour ensuite monter sur le podium à la troisième place. Mais entre Hilary et le podium, c'est du « je t'aime, moi non plus ». Elle fera encore quelques allers-retours avant de s'asseoir au pied du podium. Vous suivez toujours ? Bref, Hilary est bien capable de remonter brusquement sur le podium ce soir et d'y rester. Anyway, quel que soit son positionnement final, Hilary restera inoubliable, surtout depuis ce fameux dîner romantique au cours duquel elle a littéralement subjugué le jury et le public. Sublime. Pas fatal, hein? Ah, j'adore. C'est vraiment très joli. Non, t'es vraiment sublime. La couleur te va très bien. Le rouge, t'en as pas abusé. T'as mis sur les ongles, sur les chaussures. T'es vraiment très belle. Merci. Vraiment, vraiment très, très, très belle. Je crois qu'il me reste encore... Oui. Mais déjà, oui. Ma banque m'a déjà envoyé le solde du compte. J'ai encore fourni. Encore fourni. Ouais, c'est un compte fourni. Alors, j'achète. Ciao, la belle. Alors, bonsoir à tous, bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous et j'espère que vous passerez un très bon moment en notre compagnie. Merci. Elle chante comme une casserole et danse comme un plouc. Mais à part ça, Dr Tessie est juste la femme parfaite. À la fois séduisante et humble, duel et singulière, moderne et africaine. Une ambivalence à vous donner le tournis. Mon papa est béninois, il est de Ouida. Ma maman est de l'Europe de l'Est, elle est ukrainienne. C'est à côté de la Russie. Alors, je suis au Bénin depuis 22 ans.
une métisse qui parle mieux le fond que beaucoup d'autochtones. Non, tu beaucoup mais bifongandia. Une femme intellectuelle qui baisse volontiers le ton devant son beau-frère. Une docteure en médecine qui fait la cuisine comme un chef. Une chef d'entreprise qui fait le ménage comme une domestique. Une femme active qui privilégie son métier de mère et de femme au foyer. À la base, je dirais, c'est peut-être pas bien, mais j'ai trois métiers, par ordre de priorité. Mon premier métier, c'est être femme et mère au foyer. Je pense que c'est le plus important. Si on devait me dire de ne plus rien faire, c'est ça que je vais garder. Sans coup férir, la belle survole les épreuves et va d'une extrême à l'autre comme un poisson dans l'eau, à se demander ce qu'elle ne sait pas faire. En vérité, Catherine est une espèce d'extraterrestre dont la beauté est de nature à tuer un miroir. Le jury est conquis. Il en fait sa reine. Le public validera-t-il ce choix? Bonsoir à tous. Déjà, merci. Merci pour le déplacement. Merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir ce jour. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, continuent de me soutenir et qui sont derrière leur poste de télévision. Juste merci. Ce fut une belle aventure. J'espère passer une très belle soirée avec vous. À chaque épisode, on attend jusqu'au bout pour les voir et les entendre. Pétillantes, heureuses, spontanées et sans façon, Ella et Ellie sont des spécimens. Bonheur contagieux, chaque épreuve est une partie de plaisir qu'elles abordent, le sourire aux lèvres, pourvu qu'elles soient ensemble. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have given you all my hours. When I had the chance, take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Après leur passage sur les différentes épreuves, aucun doute n'est plus permis. La beauté ronde des jumelles est une des meilleures facettes de la beauté africaine. Et même si elles ne sont pas pour le moment dans le carré final, nos belles auront à jamais marqué ce concours en y participant. Mesdames, messieurs, voici les jumelles. Les jumelles, Mila. Elles sont pas la bonne chose, les jumelles. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, we would like to thank our Lord because without Him, we wouldn't be here tonight. So let's praise the Lord. Hallelujah. Amen. We would like to thank Janta. We would like to thank the producer and all his co-workers. Sister, preach.
I'm preaching. J'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. En fait, il n'y a pas le merci. M majuscule même ne suffit pas pour vous remercier. Vous avez été derrière nous du début jusqu'à la fin. Et on vous dit un très, très, très grand merci. Nous remercions nos parents et spécialement notre papa parce que franchement, on ne s'attendait pas à cette réaction de sa part. Mais il a été là pour nous de A à Z. On remercie nos copines de chambre, Nadia, Stella, Tasmi, parce que they are the real stew. Donc merci beaucoup, you know. Elles sont belles. Elles sont courageuses et elles nous ont fait rêver. Mais que gagnent-elles au juste? À la fin de la saison 3, les candidates verront leur carte blanche créditée d'un montant de 1 million francs CFA pour la reine d'or, 500 000 francs CFA pour la reine d'argent, 300 000 francs CFA pour la reine de bronze et 100 000 francs CFA pour chacune des autres candidates. Les trois gagnantes repartiront par ailleurs avec les fameux miroirs d'or, d'argent et de bronze qui symbolisent leur victoire ainsi qu'une attestation de participation délivrée à toutes les participantes de la phase finale du concours. La reine d'or recevra en outre une magnifique couronne offerte par Nassé Bridal, la spécialiste des robes et accessoires de mariage. Rose Impérial, l'artisan fleuriste basé à Cotonou, Abidjan et Accra, gratifiera chaque candidate d'une délicate rose, symbole de tendresse et d'affection. New Horizon, l'agence de voyage de référence à Cotonou, offre à la reine d'or un billet d'avion Cotonou, Abidjan, Cotonou, avec séjour touristique de 3 jours, tout frais compris. Le groupe Empire offre aux candidates des bons de consommation d'une valeur cumulée de 500 000 francs CFA valables pour des achats au Calypso, au Cévennes, au Glacé, au Domino ou à Playzone. La Reine d'Or recevra cette année une magnifique moto Yamaha Force X Royale offerte par Yamaha by CFAO. Le groupe Pigier, quant à lui, offre aux deux premières reines une bourse d'études d'un an dans la filière de leur choix. Hobo, l'application d'annonce rapide au Bénin, qui a reçu récemment le prix de meilleure innovation numérique de l'année 2019, offre aux deux premières reines un bon de formation de 3 mois dans le domaine du numérique d'une valeur respectivement de 500 000 francs et 250 000 francs CFA. Madame Racine, shopper et blogueuse professionnelle, offre aux trois reines élues un relooking total. Ashana Engmam, le prêt-à-porter spécialisé en tissu Canvor Made in Benin, offre aux trois reines élues un tissu Canvor de qualité premium chacune. Perufrica, le spécialiste des mèches de qualité humaine à prix doux, offre à chaque reine élue une perruque péruvienne de qualité humaine d'une valeur de 105 000 francs CFA. L'atelier de la Lys, le nouveau carrefour incontournable des belles de Cotonou, offre à la reine d'or la pose d'une magnifique perruque de 200 000 francs CFA. Chalestor, spécialiste en tenues et accessoires en ouest, à tout petit prix, offre une tenue moderne chic de sa confection à chacune des trois gagnantes du concours. Dressing, le fashion designer de la famille, offre à chacune des 13 candidates un bon de réduction de 50% pour la confection de tenues de fête et de soirée. Nana Fashion Bénin, la clé de votre élégance, offre aux trois reines élues un bon de confection tout fourni d'une valeur de 50 000 francs CFA chacune. Toutes les candidates recevront des sandales originales en oise conçues by PS Création. En plus de ces sandales, les trois gagnantes recevront des bons de couture également offerts par cette marque de prêt-à-porter béninoise qui combine africanisme, modernisme et tendance. Tendance Style offre à chacune des trois gagnantes de la saison deux robes de soirée d'une valeur de 35 000 francs CFA.
Mardiat Shop, la boutique spécialisée dans les vêtements modernes et décents, offre à chacune des 13 candidates une robe, un voile et une montre. Lust Plus, boutique de vêtements et accessoires de mode, offre pour sa part des bons de couture d'une valeur de 25 000 francs CFA à toutes les candidates. SS Makeup offre trois gagnantes une formation pour apprendre à se maquiller soi-même d'une valeur de 80 000 francs CFA chacune. Jennifer Makeup offre des séances de make-up gratuites aux trois reines élues. Face Esthétique offre aux trois gagnantes des soins du visage et du corps d'une valeur cumulée de 75 000 francs CFA. Senami Showroom offre aux trois gagnantes de magnifiques ensembles colliers, bracelets et boucles d'oreilles de sa dernière collection. Debbie's Pearl offre également des ensembles colliers, bracelets et boucles d'oreilles très tendance aux reines élues. Dream Lady offre des boucles d'oreilles en argent aux trois gagnantes. Le réseau international des femmes entrepreneurs RIF offre quant à lui des chaussures tendance à chacune des 13 candidates de la saison. La touche finale, l'experte en onglerie de Cotonou offre à chaque reine 3 séances gratuites. L'artiste, peintre, plasticien, créateur de mode vestimentaire, Nel Tachar, offre pour sa part un portrait peinture sur vitre en grand format à la reine d'or. African Pearl offre des coffrets d'épices Sénin aux 3 gagnantes, 20 pots de bouillon Sénin aux 10 autres candidates, 39 jus de fruits naturels Sénin aux 13 candidates, ainsi que 39 pots de yaourt naturel Sénin, 42 pochettes Zip d'amuse-bouche, gourmandise et divers gadgets et ustensiles de cuisine. Quant à Gozem, il met à disposition des candidates des bons de circulation d'une valeur de 115 000 francs CFA pour la reine d'or, 50 000 francs CFA pour la reine d'argent, 25 000 francs CFA pour la reine de bronze et 10 000 francs CFA pour chacune des 10 autres candidates. Oui, le miel offre à toutes les 13 candidates des coffrets de miel 100% naturel, made in Bénin et des bons cadeaux pour des soins capillaires à Binatural. Amegou, le pâtissier officiel de Dis-moi qui est la plus belle, offre un gâteau pour célébrer les 13 candidates. Un gâteau spécial pour la reine d'or, un gâteau pour chacune des 3 gagnantes à l'occasion de leur anniversaire au cours de l'année 2020 et 5 gâteaux au public présents le jour de la finale. Le chef Maël, spécialiste en pâtisserie bien-être, offre à chaque gagnante du concours un bon de participation à son prochain masterclass pâtisserie sans blé et sans gluten. OK Fashion, styliste béninois de renommée internationale, offre à chacune des 13 candidates une culotte et un pantalon jogging. Cali Store, le spécialiste des accessoires de mode chic et tendance, offre à chacune des 2 premières gagnantes du concours un magnifique sac d'âme d'une valeur de 50 000 francs CFA. Chacha Face and Beauty, votre atelier de maquillage professionnel, offre plusieurs séances de maquillage gratuites aux 3 reines élues. Intima Dress, spécialiste de lingerie fine, de bosseurs et d'accessoires, offre à chacune des 3 gagnantes du concours une nuisette et une demi-douzaine de sous-vêtements tendance. En plus de ces lots, elle offre à la reine d'or un irrésistible ensemble 3 pièces. Afrohair Addict, salon de coiffure mobile, spécialiste de coiffure artistique et afro, offre à toutes les candidates des bons de coiffure Folox d'une valeur cumulée de 95 000 francs CFA ainsi qu'une coiffure artistique à chacune des reines élues. Les lots ainsi énumérés ne sont pas exhaustifs. De nombreux donneurs continuent d'affluer pour, à leur manière, magnifier la beauté de nos Amazones. Rejoignez-les. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Allez, chante tout ça.
Mais pour les avoir, il faut déjà gagner la compétition. Et pour la gagner, il nous reste quand même une grande inconnue. Les résultats du vote fait par le public pendant ces 3 mois, soigneusement compilés par le cabinet de l'huissier Maître Gounadan. Ces résultats vous seront livrés juste après la plage publicitaire. Oh, vraiment, mais les hommes m'ont fatigué, mais c'est quoi le problème même? Hein? On doit en retard. Oh! Bah, on doit en retard. Pourquoi on a deux sourous? Quoi, pardon? C'est pas on veut manger? C'est pas, il y a quoi la gare? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, c'est pas le Zem là. Il me fait perdre de temps depuis. Quelqu'un, non? Quelqu'un est disant que quelqu'un va en conduire. Oh, clair! Ça, c'est Yamaha. Cruisage. Avec 1 litre! Tu peux conduire à Kodorombi. Rendez-vous dès maintenant chez votre revendeur agréé Yamaha le plus proche ou à CFAO Motors, Carrefour Vedeco, route de Lomé. Téléphone 229 61 38 02 02. Marre de négocier pour prendre un ZEM? Téléchargez l'application GoZEM. Déterminez le point de départ et d'arrivée. Choisissez votre mode de paiement. Lancez la requête. Votre conducteur vous contacte et vient vous chercher. Il vous tend votre casque et l'application fixe le prix. Pendant 3 mois de compétition, le public a été appelé à voter pour les belles chaque semaine. Ces votes, compilés par l'huissier Maître Gounadan et gardés secrets jusqu'à la soirée finale, compteront pour une 13e épreuve et pourraient modifier le classement issu des notes du jury. Le résultat des votes du public pour la 3e saison « Dis-moi qui est la plus belle » le voici. Avec 10 580 votes au compteur, Catherine, la reine du jury, est sans conteste aussi le choix du public pour cette saison. Suivie de la Dossi qui recueille 6 350 votes. Juste devant les jumelles, 5 788 votes. Sabira, 5 648 votes. Estella, 3 034 votes. Hilary, 2 494 votes. Fidèle, 2 284 votes. Boussina, 2 170 votes. Carmel, 1 616. Tasnim, 1 604. Nadia, 1 214. Et Abibat, 242.
classement général, les votes du public seront une fois encore un vote rectificatif pour la troisième place que récupère désormais la belle Dossi qui jusque-là pointait à la cinquième place. Mais pour les premières et deuxième places, rien n'en change. Le public est d'accord avec le jury et confirme Catherine et Sabira dans leurs positions respectives. Au pied du podium, la belle Boussina n'aura perdu sa troisième place que de justesse. Elle est suivie par Hilary, Fidèle, les jumelles, Nadia, Stella, Abibat, Tasnine et Carmel. Aoudi Dossi. Remercier tout d'abord ma famille et surtout mes frères jumeaux qui sont présents. Je vous aime vraiment. Et surtout ma famille virtuelle que j'ai eue. Le problème à mon niveau, c'est que j'ai horreur de la concurrence. Je n'aime pas la compétition. Je me dis tout autant que nous sommes dans ce bas monde, nous avons notre place et nous devrons nous battre à notre manière pour y arriver. Dis-moi qui est la plus belle m'a permis de surpasser cela. Aujourd'hui, j'accepte les critiques. Et comme le dit une voisine à moi, et c'est un peu rigolo, elle dit l'avion s'en fout du pont. Aujourd'hui, je peux vraiment me foutre du pont, prendre vos reproches comme des apports de solutions de bien-être à ma vie. Et je remercie également le jury. Je suis vraiment très, très, très honorée aujourd'hui. Je profite aussi de cette occasion. Je profite aussi de cette occasion pour dire si c'est vrai aujourd'hui je suis heureuse, mais il y a un être qui me manque vraiment et je ne sais pas ce que je dirais. Je remercie aussi ma maman qui m'a toujours dit que tu peux y arriver. Et je vois en fait à travers mes frères jumeaux, mon père, parce que aujourd'hui, il n'est plus. Et j'aurais vraiment aimé qu'il soit présent pour voir la femme que je suis devenue aujourd'hui. Merci de m'applaudir, le père. Notre princesse qui nous vient tout droit, qui est nigérienne et béninoise, Karimou Sabira, reine d'argent, QLPB saison 3. Un grand, un immense merci au Niger. Ils sont loin, mais ils m'ont soutenu pendant ces 3 mois. Merci à vous. Merci aussi aux Béninois, à tous les Africains et au-delà, toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu. Un merci spécial à maman. Sans toi, je ne serais pas là. Je n'aurais pas participé. Tu m'as convaincue. Et au moment où je doutais le plus pour venir au casting, il y a une merveilleuse reine qui m'a dit « Vas-y, fonce, tu peux y arriver. » Merveille, merci. Merci à toi. Merci aussi aux 12 autres candidates. J'ai appris de vous. Merci aux techniciens de l'ombre qu'on ne voit pas, mais qui sont toujours là. Merci à Janta. Merci à notre chaperon et Grâce. Merci au DG de Janta. Enfin, merci à vous. Je vous aime. Merci à vous, Sénateur. Tessie, Catherine. On se lève pour applaudir, s'il vous plaît. Le jeu de la bas de Mérito. Elles sont toutes belles. Comme
une belle Jacques Kerr. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Dis-moi qui est la plus belle saison 3. La doctoresse Catherine. J'étais très émue, c'est pour ça que j'avais pas beaucoup de mots. Je vais commencer en disant merci. Merci à l'agence Diamanta, à tous ses membres. Merci à mes parents, à ma belle famille. Merci à quelqu'un de particulier, Mademoiselle Bide Fumilayo, qui fut mon manager. Merci surtout à tous ceux qui me soutiennent. Tous ceux qui me connaissent, qui me soutiennent, mais encore plus ceux qui ne me connaissent pas. Ce soir, ce fut une agréable surprise. Une réelle agréable surprise de constater que y a des gens qui te soutiennent malgré qu'ils ne te connaissent pas. Et que cela va de continent en continent. J'ai reçu des messages de soutien de l'Allemagne, des Pays-Bas, et ça me va droit au cœur. Je dédie cette couronne à toutes les femmes battantes d'Afrique. J'aimerais dire que tout est possible si on le veut. Il faut savoir provoquer la providence. Merci. Approche-toi de mes rénaux, Afrique. Ainsi, l'extraordinaire Catherine aura été jusqu'au bout de son combat. Dernière victime, le public qui la sacre reine de la saison 3 à la suite du jury et des candidates elles-mêmes. La belle métisse qui vient défier le miroir magique sous une fine pluie d'août 2019 aura eu la réponse à sa question. Oui, l'Afrique accepte les mélanges. Oui. L'Afrique est belle et riche de sa diversité. Oui, l'Afrique est mixte et accueille à bras ouverts ses filles, d'où qu'elles soient et quelles qu'elles soient, claires ou noires, grandes ou menues, fines ou rondes. Car en vérité, la beauté africaine a mille et un visages qu'il convient de scruter à la loupe. Fin de la saison 3. Rendez-vous en novembre prochain pour une nouvelle aventure. Dis-moi qui est la plus belle. Ce concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.